Salut les amis, alors petite vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter une très bonne année 2023, une bonne santé. Ça c'est 100% la bonne santé les amis. Et allez l'OM pour toute l'année 2023. Je souhaite l'OM finit deuxième du championnat comme on avait fait la saison dernière. Et puis aussi, pour vous dire, demain l'OM joue. Joue demain un match important contre Lorient. Et c'est à Lorient. Alors, ce match-là, on doit le gagner. Et tous les matchs de 2023, ça va être compliqué. Mais j'ai aussi une info, c'est le mercato. Le mercato a commencé, ça y est, depuis aujourd'hui, depuis minuit, a commencé. Jusqu'au 30 au 31 janvier. Alors pour un mois, il y a un Paulo Longoria va beaucoup 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 travailler pour nous amener pas mal de joueurs. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs. Beaucoup 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 de rumeurs. Je peux pas vous en dire plus parce que le mercato commence aujourd'hui. Mais à la prochaine vidéo, je vais écouter les rumeurs de tous les joueurs, je vais vous le dire. Mais là, c'est qui plus une petite vidéo pour vous souhaiter une très bonne année. Parce que vous avez passé une très bonne année 2022 au niveau de l'OM. Même quand on a perdu contre Tottenham, on avait fini à 4e, on se ramassait un but à la dernière minute. Je ne sais plus qu'ils vous rappelez ce match-là, c'est pas un match. Voilà, c'est qu'un beau match, mais ça avait très mal fini. Et on est qui deuxième, on se retrouve quatrième. C'est du passé, les amis. Il nous reste le championnat, il nous reste la Coupe de France. Voilà, faut se donner à fond pour se remettre à la deuxième place. L'OM doit faire la Ligue des Champions tous les ans. Pour devenir de plus en plus fort. On l'a fait l'année dernière, on doit le refaire cette année. C'est bien parti, même quand Nantes, ils sont à 4 points de Marseille. 4 points, c'est pas beaucoup, hein. Il nous reste encore tous les matchs retour à faire. Il nous en reste à peu près une quinzaine de matchs à faire. Pour les gens, ils ne savent pas, il faut savoir, il est parti de la fin de l'année, ça veut dire au mois de juin. Le championnat va passer à 18 au lieu de 20. Ça veut dire il y a deux équipes en moins. Ça veut dire que ça va être un championnat un peu plus resserré. Avant, arriver à la 16e place, tu es sauvé. Maintenant, c'est plus la 16e place, c'est la 15e ou la 14e place. On sait que tu pourras être sauvé. Et j'ai entendu parler une rumeur, il veut faire un championnat de 16. Alors ça, on verra. Hein. Mais voilà, c'est bien. Moins il y a d'équipes, plus ça renforce le championnat. Quoi aussi, je veux dire? On va parler du mercato. Ah, le Pounsor. Le nouveau Pounsor de l'Olympique de Marseille. Ah, j'ai pas beaucoup plus d'informations à part dire le Pounsor va prendre coup l'OM. Ça veut dire, comme je vous avais parlé sur une vidéo, ça va prendre l'équipe 1 de l'OM, les U17, les U16, les U15, les U14, comme ça, jusqu'aux enfants. Ça va aussi prendre les filles, l'équipe féminine. Voilà. Vous savez, avec l'ancien Pounsor, les filles avaient un Pounsor, les équipes U20, U8, tout ça, U15, il y avait aussi un autre Pounsor, et l'équipe pro avait un troisième Pounsor. Là, ça va être un Pounsor, mais vraiment pour l'OM. On parle, le Pounsor pourra donner, et ça c'est une bonne information, jusqu'à 17 millions d'euros par an. 17 millions d'euros par an. Et le milliardaire du Pounsor est plus riche que Franck Marcon. Imaginez-vous.
Le milliardaire du sponsor de l'Olympique de Marseille va être plus riche qu'en Franck Marcon. Incroyable. Mais ça ne veut pas dire l'OM est vendu. Ça ne veut pas dire ça. Mais je crois que c'est jamais arrivé. Un sponsor plus riche que le mec qui gère l'équipe, c'est jamais arrivé. Là, je sais pas quand il y a un condé, il y a un chien, il gueule là depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. C'est un chihuahua. Alors, je souhaite bien sûr à l'année 2023 vous souhaiter une bonne nouvelle sur la vente de l'OM. Pour ce moment, la vente de l'OM, on n'en parle plus. C'est pas parce qu'on parle plus de la vente de l'OM. Il n'y a rien qui se passe. Voilà, moi j'y crois. À 300%. Quand ça va se faire, je ne sais pas. Ça doit se faire, ça va se faire. Faut entendre. L'OM, c'est pas n'importe quoi. C'est la meilleure équipe de France. Ça aussi, il y a les meilleurs supporters de France. Et on doit le vendre à une personne. Et à les capacités à gérer l'OM comme Tapie avait fait à l'époque. Une petite pensée à lui. Et je voudrais faire aussi sur ma vidéo, ça c'est une première, une minute de silence pour tous les gens, ils sont morts, supporters, tous les gens, ils sont morts dans l'année 2022. Ils étaient dans le milieu de l'OM. Une petite minute de silence. Voilà. Alors merci pour les gens. Voilà, il a respecté la petite minute de silence. Même le chien, il gueule plus. Même lui, il a respecté la minute de silence. Il y a beaucoup de personnes sont mortes en 2022, beaucoup de supporters de l'OM, beaucoup de grandes personnes au niveau du foot. Comme, voilà, lui c'est pas Marseille, mais une grande personne, il est mort la semaine dernière. Le roi du foot, Pelé. Pelé, il est mort. Et c'est qui aussi, la minute de silence, c'est qui aussi pour penser à Paulet. J'ai pensé un peu à lui, là, dans la minute de silence. Voilà, il y a beaucoup de grandes personnes de foot qui sont mortes dans l'année 2022. Je souhaite que 2023, il y a moins de grands. Puis aussi, je pense à l'arbitre aussi. Pourquoi la Coupe du Monde, il y a un arbitre français, il est mort, 42 ans, crise cardiaque. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes en 2022. Voilà. J'ai envie de risquer. Voilà, c'est important être supporter d'une équipe. Et puis penser à ça, c'est quand même assez important pour les familles aussi. Alors pour revenir, alors, pour le mercato, ça commence aujourd'hui. Zuc au 31. Je sais plus quand c'est un mois de 30 au 31 au mois du jour. Au mois de janvier, je veux dire. Je crois que c'est 31. Zuko 31 à minuit. J'ai envie aussi de penser au nouveau sponsor et les 17 millions d'euros vont nous donner. Peut-être même plus, ce qui est bien. Et puis tous les départs et les recrues. Salsson, le Brésilien, c'est sûr, ça y est, il n'est plus à Marseille. Combien d'argent va nous donner? Une rumeur, il parle de 15 à 20 millions d'euros. On verra bien. Et des nouveaux joueurs, ouais. C'est sûr, il va y avoir des nouveaux. Quand il y a des départs, il y a des nouveaux joueurs.
Mais là, il y a plein de rumeurs, plein de noms encore. Il est Kobe tout à l'heure, là. Un joueur, il joue un Ancestor City, c'est un Kirk. Je crois que c'est un milieu de terrain, mais je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, il y a plein de rumeurs, plein. Il y a une grosse couche de cheveux, un peu comme M12i, même encore, même pire encore. Voilà. Alors, partagez, abonnez-vous. Prochaine vidéo, je vous donne les noms de tous les footballeurs. Quand il y a une nouvelle recrue, c'est pareil, je vous la faire montrer. Et puis il risque d'avoir du changement sur ma chaîne dans l'année 2022. Là, je travaille sur des trucs là. Ça peut être pas mal, les amis. Mais pour ça, pour mon soutenir sur ma chaîne, abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces, des commentaires positifs, bien sûr. Donc, aussi des commentaires pour casser les personnes, c'est pas la peine. Et puis voilà. Peut-être je vais vous refaire une vidéo la semaine prochaine. Peut-être avant. Moi, j'ai pas de jour. Je vous fais des vidéos comme ça. Je peux vous faire des vidéos deux fois d'affilée. Quand je peux vous faire deux vidéos dans le mois, ça dépend. Je vous fais des vidéos quand il y a vraiment des trucs importants. Quand il n'y a rien d'important, je ne veux pas faire de vidéos pour pas parler. C'est pas la peine. Ah, je vous souhaite encore une bonne année 2023. Beaucoup d'argent. Une bonne santé. Bah, de la santé, c'est très important. C'est très important, la santé. Et puis le foot, ça reste un sport, les amis. Salut!